de la population de l'ENEDIS pour dire bonne arrivée au maréchal du Tchad et à la taille de l'événement. Toutes les couches socio-professionnelles étaient présentes pour dire ses reconnaissances au chef de l'État. Quelques groupes folkloriques faisaient également monter la pression. Alors qu'il était 11h pile, l'hélicoptère au bord duquel se trouve le maréchal du Tchad s'est posé à l'aéroport international d'Amdjaras. Au bas de la passerelle pour les civilités au chef de l'État, le secrétaire général de la province de l'Enedi, S. Mohamed Abdelkerim Ali, le commandant de la zone de défense numéro 8, Hissène Barkay, le maire de la ville d'Amdjaras Aboud Hashim Boudeur, le sultan du Darbilia Sidik Timan Debi Idno et quelques membres du gouvernement. Le président de la République passe en revue les troupes présentes pour la circonstance, puis salue les différents officiels composés des autorités administratives, militaires, traditionnelles, les délégués provinciaux, les membres du BPN et autres. Fini l'aéroport, le cortège s'est ébranlé pour la résidence présidentielle. Le chef de l'État a pris un bain de foule. Tout au long du parcours, le président a été ovationné par une foule venue nombreuse l'accueillir. La population de l'Enedi-Est qui attendait tant cette visite posera sans nul doute ses doléances au chef de l'État.